Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons. Les guides du langage corporel de Alan et Barbara Pease. Cela vous est déjà arrivé de vous trouver face à quelqu'un qui, avec un ton de voix doux et des mots conciliants, vous félicite ou vous remercie pour votre travail, mais vous sentez de manière instinctive qu'il pense exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire Cet instinct ne vient pas de nulle part il a des bases très solides. Il s'agit souvent d'une lecture inconsciente du langage corporel de notre interlocuteur. Les premières études sur les langages corporels datent des années 50 et ont montré que dans la communication, les mots utilisés ne représentent que 7% du message, alors que la voix, avec l'intonation et l'inflexion, pèse 38% et les langages corporels même 55% de notre interprétation. Pourquoi les non-verbales ont un poids aussi grand dans la communication? Tout simplement parce que dans l'évolution de l'être humain, les langages et les mots sont apparus beaucoup plus tard que les sons et les bruits produits par la voix et que l'utilisation du corps est encore plus ancienne. Nous partageons beaucoup de gestes avec les singes pour véhiculer un message. Dans leur livre, Les guides ultimes du langage corporel, Alan et Barbara Pease partagent des décennies d'études et d'analyses du langage corporel. Ils présentent un par un les éléments de notre corps que nous utilisons comme langage, nos bras et nos mains, les yeux, les sourires, la posture. Personnellement, grâce à la lecture de ce livre, j'ai appris beaucoup de comment lire les intentions et les ressentis des autres, juste en regardant leur posture. Et j'ai également trouvé des bonnes astuces sur comment améliorer mon propre langage corporel afin de mieux l'aligner avec les messages que je souhaite véhiculer. Il est intéressant de remarquer que si une émotion ou un état d'âme s'exprime souvent par une certaine posture, il est aussi possible de fonctionner dans notre sens. Prendre une posture corporelle influence notre humeur et facilite l'apparition des émotions associées à cette posture. Les livres étant très riches, dans cette vidéo, vous découvrirez 10 postures très communes que vous rencontrez chaque jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos sur ce même livre pour aborder d'autres éléments du langage corporel. Hochez la tête. Dans presque toutes les cultures, ce geste indique que nous comprenons et acceptons les points de vue de notre interlocuteur. Des recherches ont montré que des personnes nées sourdes, mouettes et aveugles utilisent aussi ce geste pour dire oui. Il s'agit d'un geste inné. Ce geste vous sert aussi à communiquer l'intérêt vers les sujets de discussion. Avec 3 ou 4 hochements lents, vous indiquez que vous êtes intéressé. Si, une fois qu'il a terminé de parler, vous faites 4 ou 5 hochements au rythme de 1 par seconde, votre interlocuteur va probablement reprendre la parole et vous donnera plus d'informations. Hocher la tête est aussi un excellent outil pour créer une atmosphère positive et facilite la coopération. Des hochements rapides indiquent au contraire que vous avez assez écouté et que vous souhaitez que votre interlocuteur termine rapidement et vous laisse la parole. Faire signe non de la tête. Il s'agit aussi d'un geste inné et est probablement le premier geste appris par les humains. Si votre interlocuteur secoue légèrement la tête pendant qu'il vous dit qu'il est d'accord avec vous, soyez prudent. Cela indique clairement une attitude négative, même si le ton des voix semble convaincant. Les trois positions de base de la tête. La première est la tête anneau, la position prise par ceux qui ont une réaction neutre à ce qui s'est dit. La tête reste immobile avec, au plus, des petits hochements isolés. Une tête relevée et en même temps pointée en avant sont des signes de supériorité, d'intrépidité ou d'arrogance. La tête inclinée est un signal de soumission puisqu'elle expose les coups et rend la personne plus petite et moins menaçante. Les humains, comme les animaux, inclinent la tête quand ils sont intéressés par quelque chose. Ne prenez pas cette posture pendant une négociation. Si vous donnez une présentation et votre audience assume cette posture, cela veut dire que votre message est en train de bien passer. La tête en bas est au contraire un signal d'attitude négative, critique ou agressive. Cela s'accompagne souvent par des bras croisés. Les orateurs plus expérimentés devant une audience qui a pris cette posture Cherche des moyens pour faire relever la tête et ouvrir les bras afin de gagner en participation et acceptation. Regardez la partie haute d'un slide, tenir un objet dans la main. Hausser les épaules. Soulever les épaules et retirer la tête est une posture de protection. Elle protège instinctivement des endroits vulnérables comme les coups et la gorge. Utilisé dans un contexte personnel ou professionnel, ce geste implique des excuses implicites et est donc à éviter si votre objectif est de paraître confiant. Une variante plus discrète, où la tête est baissée et les épaules rentrent pour paraître plus petit, moins important, est aussi un signe de soumission face à quelqu'un vu comme supérieur. Cette posture révèle les rapports de statut social et des pouvoirs entre personnes. Cueillir des peluches imaginaires. Ce geste, comme d'autres gestes similaires, des déplacements d'objets sont à l'apparence innocents mais révèle une opinion de désaccord ou désapprobation que la personne préfère dissimuler et garder secrète. Pour aider la personne à s'ouvrir, demandez-lui, en montrant les palmes de vos mains et dans un ton conciliant Qu'est-ce que pensez-vous ou Je vois que vous avez des idées à ce sujet. Voulez-vous me dire de quoi il s'agit La position de détermination Un geste typique des animaux dans les situations de combat a de paraître plus grand. Les êtres humains modernes ont inventé un geste. Pour paraître plus fort et occuper plus d'espace. Les mains sur les hanches. Il s'agit d'une posture universelle qui communique qu'une personne est prête pour une action péremptoire. Cette posture est aussi appelée la position du réalisateur, la personne dirigée vers ses objectifs, prête à faire face au challenge, à passer à l'action. Ce geste est aussi effectué avec une seule main sur la hanche et l'autre qui réalise un autre geste. La position du cowboy. La posture des pouces glissés dans la ceinture ou dans les poches constitue un geste qui montre une attitude agressive virile. C'est le geste le plus couramment utilisé dans les films westerns. C'est une posture le plus souvent masculine. Il est possible de voir ces deux derniers gestes, la position de détermination et celle du cowboy lorsque deux personnes sont en train de s'évaluer inconsciemment. Écarter les jambes. C'est un geste presque entièrement masculin. Typique des singes qui essaient d'établir une autorité sur les autres. Bien qu'il soit fait souvent de manière inconsciente, ce geste envoie un message puissant. Quand un homme prend cette posture, les autres les copient pour conserver leur statut. Ce geste a des effets négatifs lorsqu'un homme l'utilise devant une femme, spécialement dans un contexte professionnel, puisqu'elle peut difficilement l'imiter. Donc, attention à ne pas écarter vos jambes pendant une réunion. Les positions assises. Voilà quelques positions assises typiques avec une signification particulière. Jambes sur l'accoudoir de la chaise. Cette position montre une attitude informelle, mais elle peut aussi véhiculer de l'indifférence, voire de l'hostilité. Pour faire sortir quelqu'un de cette posture, on peut lui demander de se pencher pour regarder quelque chose. La catapulte. C'est la version assise de la pose main sur les hanches, sauf que les mains sont derrière la tête avec les coudes qui pointent vers l'extérieur. C'est une posture qui véhicule de la confiance ou de la supériorité. Pour faire changer cette posture, vous pouvez vous pencher et demander ⁇ Je vois que vous connaissez le sujet. Voulez-vous commenter Ou encore, vous pouvez continuer la discussion en vous mettant debout. Chevaucher une chaise. Ce geste représente une position de protection lorsqu'on se sent attaqué physiquement ou verbalement. Les dossiers de la chaise agissent comme un bouclier qui protège le corps et peut amener la personne à un comportement dominant et agressif. La manière la plus simple pour faire changer cette position est de se mettre debout ou assis derrière la personne, ce qui l'oblige à se retourner. Montrez que l'on est prêt. C'est un geste important à reconnaître lors d'une négociation. Si l'entretien s'est bien déroulé et votre interlocuteur prend cette posture, c'est un bon moment pour demander un accord et finaliser la négociation de manière positive. Elle peut aussi signifier de l'impatience, avec les deux mains sur les genoux ou sur la chaise, comme au départ d'une course. Dans ce cas, c'est une bonne idée d'échanger de, de sujet ou terminer rapidement la conversation. Comme tout type de langage, le langage corporel est un ensemble très riche de codes et de messages plus ou moins implicites sur l'état d'esprit et les intentions de son interlocuteur. Avec ces premiers éléments, vous pouvez commencer à éliminer les postures négatives de votre répertoire et pratiquer celles qui vous permettent d'obtenir des résultats positifs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur ce même sujet, pour apprendre à lire et à maîtriser les messages véhiculés par les bras et les mains, votre regard, les sourires, etc. Comment pouvez-vous utiliser la connaissance de ces postures pour faciliter votre quotidien Comment pouvez-vous pratiquer la lecture et l'utilisation de ces postures autour de vous Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.